Et salut, c'est Multigamer, aujourd'hui on se retrouve, non pas sur Souls 3, non pas sur Elden Ring, ni DS2, sur Dark Souls 1, mais, il y a un mais, avec un mode qui nous permet de jouer certains ennemis de DS1, alors il y a aussi des ennemis qui proviennent de Demon's Souls, et de DS1 entre autres, donc là aujourd'hui, le créateur de ce mode là, entre autres, il a fait une petite mise à jour qui, du coup, qui nous permet de jouer le chevalet noir avec son espadon. Donc, on est parti pour découvrir qu'est-ce que ça donne sur DS1, ce mode-là. Donc, on est parti. J'ai toujours ma manette qui déconne. Donc, par moment, mon perso, il part un petit peu sur la droite. Donc, franchement, c'est plutôt sympa. Vous allez voir, ça tape forcément extrêmement fort. Voilà, salut. Ah, j'adore. Quelle violence. Donc, on va voir, hein, mais je pense qu'on est... je pense pas faire le jeu entièrement, hein, parce que comme vous le savez, la vidéo sera unique. J'ai joué un bon petit moment. Et de plus, je pense pas améliorer l'arme, je pense pas avoir besoin, hein, parce que vu les dégâts, voilà. Vous allez voir le boss, parce que j'ai juste fait un test pour voir comment ça se manipulait. Et ça tape bien, ça tape plutôt bien. Et vous allez, ouais, voilà, c'est genre, c'est lui le boss. Vas-y, viens là, mon coco. Voilà, vous allez voir, bim, bim. Alors, choqué ou pas choqué? Je suis choqué. Ah, en vrai, je sais pas si le chevalier noir ferait autant de dégâts si on le mettait, s'il était contrôlé par son intelligence artificielle en fait, mais à mon avis oui, hein. Parce que ça c'est quand même un ennemi qu'on trouve bien plus tard, je crois que c'est vers les tombes, donc c'est ouais, c'est un niveau qui arrive bien après. C'est un ennemi qui tape qui tape bien, quoi, très très bien. On va faire tomber la petite boulette. Il y a un truc qui est un petit peu bizarre, regardez le le bras, comment il est foutu, c'est bizarre. Bon, je pense que c'est tiré dû à l'animation, je pense. À la posture de l'ennemi. Et ça fait bizarre. C'est l'impression que machin, il s'est fait écrabouiller par un TGV. Et salut. Tu vois, ça fait plaisir de retourner sur DSE, ça faisait un petit moment. J'avais pas rejoué. La dernière fois, j'avais fait un live dessus, mais c'était sur un autre ennemi. Justement, c'était sur... je pouvais jouer ces zombies, là. Aïe. 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 Alors, t'es mon gars. Là, je te l'avais dit, hein. Je t'avais prévenu. Moi, quand je fais des droites, mon gars, c'est des droites, hein. Ah, salut. 5 minutes later. Donc du coup, nous voilà notre sanctuaire de l'Ige-feu, de tous les jeux-feux. Lui, il va se prendre quelques droites dans la tronche. Allez hop. Nope. C'est bien. Nope. Ah, salut mon gars. J'adore tuer les PNJ dans ces jeux. Nope. Ah, voilà. J'ai même pas le temps de placer mon troisième coup que l'autre il ramasse la poussière, quoi. Même pas il la bouffe, quoi. No. Putain, cette violence. Oh. Yes. Allez, salut. Putain, j'ai tué d'un coup, lui. Ah ouais. Allez, les gars. Oh, ne rigole pas. Là, c'est Joe. C'est Joe le gitan, en fait. Faut que je rajoute sa tête sur la miniature du... Ah, c'est vraiment ça, frère. Non. Hop. Allez, hop, ça dégage. Et le truc, c'est qu'on l'a aussi, ça poise, hein, vous avez vu. Je me suis pris un coup des stocks, j'ai pas bougé d'un pet, hein. Alors certes, vous allez me dire que c'est pas forcément l'ennemi qui fait rêver. Mais quand même, c'est un bon ennemi, hein. Alors pour l'instant, il n'y a que cette version-là, il n'y a pas la version épée ou la version H.
Pour le moment, c'est que la version Espadon. Mais bon, c'est déjà pas mal. C'est déjà sympathique, faut bien le dire. Allez hop. C'est fou parce qu'en fait, le moindre coup, les mecs, ils volent, quoi, littéralement, quoi. C'est... Voilà, on va pas non plus hésiter. On est un chevalier noir. On déglègue tout. Ah, il fait mal, quand même. Ça picote. D'accord. On va se soigner. Ok. Alors là, il y a un chevalier noir, donc il faut voir. Hein. Je me fais pas déglinguer en un coup. Alors, je voulais voir si j'étais à taille réelle. Non, je suis pas à taille réelle du boss, enfin de l'ennemi. Hein. J'avais l'impression, mais non, pas du tout. Ouais. Je pense qu'il m'aurait tué en 2-3 coups. 1 hour later. What? Ok. Et là, ça demande 5. Nope. Ah, dommage. Allez, salut. Bye bye, solaire. On se reverra. D'ailleurs, est-ce que tu me donnes des humanités? Car Dieu sait que j'en ai besoin. D'humanité. Ah, j'ai un talon d'Alagon. Ah, il m'a touché quand même. Hein. Ouh, j'ai pris cher au cou. Je vais voir si je peux le déglinguer le dragon là. Vas-y. Allez. Ah non, je l'ai pas touché. Ah, je suis mort. Ouais, faut peut-être pas déconner non plus, hein. Ah, oh, qu'en fait, moi je... Noni. La foire, il m'avait suivi, quoi. Là j'ai eu chaud, il m'aurait tué. Il m'aurait déglingué là si je m'étais pas protégé. Ok, il a lui. Il a Jean-Pierre. Salut. Ah, on prend Chiro quand même. Nope. Allez, dégage. Ah ok, en fait, dès que j'ai plus d'endurance, en fait, mon perso, il s'arrête. Et il marche. Il trottine. Est-ce qu'on tue André? Bon, on va le laisser en vie pour le moment. André, il est cool. C'est chiant quand il s'arrête comme ça. Oh, je vais déglinguer. Nope. Ok. Wow, abusé. Et... Plouf. Salut. Salut. Ah, je sais pas. Attends, j'ai pas les gars s'ils peuvent me choper là, avec leur chope là. J'ai pas eu l'impression. Hein. Là, je crois qu'il m'a fait l'animation de chop là, la fougère là. Ok. Où es-tu, petit papillon? Viens tâter de ma lame. 5 minutes later.
Allez, salut. Ah, ce déglingage. 1, 2. Ah. A few moments later. Ok, ouf. J'ai eu peur que... Alors ça, c'est pas mal parce que du coup ça a bien boosté la vie et l'endurance. Ok les gars, j'ai débloqué le raccourci. Du coup c'est direction Quillag. Alors on va pas explorer la zone, hein, je vous le dis. On va tracer. Allez. De toute façon c'est vrai que l'ennemi il est super balèze quoi. Super fort. Après on prend cher parce qu'on a, on a beaucoup de poise. Et du coup, forcément, on prend des dégâts supplémentaires à chaque fois. Allez, trace, mon gars. Hop. Je crois qu'il y a un PNJ qui t'envahit ici, d'ailleurs. On va aller le défoncer. Allez, bim. J'ai l'impression qu'en fait, que tous ces mobs-là qui ont pas de poise, en fait, ils sont morts. Il y a vraiment que les ennemis qui ont de la poise qui peuvent avoir une chance de... Ils peuvent avoir une chance de me déglinguer, mais sinon... Et normalement, je me fais envahir. Il ne viendra point. Ah bien, on va l'attendre. Eh bien, mon gars. Viens tâter de ma lame. Ouh, il est speedou, lui. Ouh, il est speedou, lui. Et bim. Alors, juste pour info, est-ce que si j'utilise ça... Ouais, ok. Donc, les bénis, ça désactive tous les effets de statut, poison, toxique. C'est cool. Let's go, Quillag. Viens tâter de ma lame. Oui, mais un peu mal quand même. Elle picote. Allez hop. Ok les gens. He's back. Allez, du coup direction la forteresse de Seine et tout ce que ça implique. Bon, normalement ça devrait bien se passer. Hein. Normalement. Pas avoir trop de fail. Vu la poise qu'on possède là. Ouais, bon ça va. Hein. Les amis là meurent en 3 coups au lieu de 1 ou de 2. Et là comment ça se passe contre notre ami Stein et Smoog. Merci la mamette, elle a failli me troll. Ah non, c'est quoi, on va voir peut-être. Tant pis si je meurs, mais je veux voir si le truc du coup me fait... Ah bah non, je suis passé. Je suis passé. Et salut. À l'aide. J'adore ce que c'est, le mec qui te regarde, et après il veut être raciste mais il se fait rouler dessus. Ah les devs de chez FromSoft, ils aiment bien nous troll, ils aiment bien troll les ennemis aussi. Surtout dans DS. Alors là, on va voir comment ça se passe, là. Ah, il m'a chopé ? Ah, merde. Ouh ! Allez, dégage. Ah, en fait, du coup, il était pas mort, en fait. Autant pour moi. Alors, est-ce que je meurs ? Non, ça va. Les dégâts sont sympathiques. Allez, on trace. De rien.
Quand on meurt, l'animation de l'ennemi. J'avais dit que je voulais tester. Ce fail-là, il compte pas, les gars. Soyez sympas. Chevalier noir versus golem de fer. Oups, fais mal. Nope. Fais pas tomber. Elle tombe. Nope. Putain, ouais. Oh non. Oh, broché comme il veille, broché. Vas-y, ouvre ta gueule, ouvre ta gueule. Voilà, je vous l'ai dit, les gars. Victoire. Non, mais... Putain de zone de ouf. Hein. Rendez-moi cet univers. Rendez-moi ce monde hostile et dangereux. Allez, c'est parti. Allez, on va voir combien de fails on va avoir avant d'arriver à destination. Moi, je pense que ça va bien se passer. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Oh putain, mais vas-y. Ah, il voulait pas passer cet abruti. Putain. Bon, voilà. Fail. Je suis choqué. Ah, c'était un truc de fou, il voulait pas passer, hein. Putain. Ok. He's back. Ah, mais... Quelle connerie, ce truc. Oh, j'ai failli reglisser. Allez, vas-y, on y croit, là. Allez. Bon tapis pour les âmes, loul. La dégage. Chacun son tour, mon gars. Bon. Allez, go le feu, on se repose. Hop. J'ai bien vu Ilius. Ilius solaire. Bah ouais, je l'ai demandé tout à l'heure. C'est un petit peu compliqué pour lui. Alors, juste... Faire en sorte qu'on ait 10 fioles là. Et puis go le boss. Go le boss. Yes. Le glitch. J'ai faim. Ok. Allez, c'est parti. Ah, c'est jouable. Hey,
Nope. Et le cool bouquet qui sert à rien. C'est chaud quand même. La jouabilité là, c'est pas évident. Allez, viens, je taille. C'était horrible, les gars. Il m'a touché quand même. What? Ok. C'est chaud. C'est pas touché encore. Les gars. Nope. Allez, meurs. T'as repris. Voilà, c'est ça qu'on veut. Écoutez les amis, je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos sur ma chaîne Multigamer et pour ceux qui veulent me suivre sur Multistream VF. Pour me voir en live, donc comme d'hab, hein, vous aurez tout ce qu'il faut pour le télécharger. Si vous avez, si vous possédez DS1 Remastered sur PC, donc voilà. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, et là on peut le dire. Hein, je suis choqué.